Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le démarrage d'un nouveau Let's Play sur la chaîne. Et donc, on va faire une découverte un peu plus approfondie de Breakwaters. Alors, la vidéo découverte que je vous avais fait sur la chaîne vous avait bien plu. Je vous ai proposé de choisir le nouveau Let's Play via Astropol. Vous avez le choix entre Breakwaters et Sunhaven, le Farm Sim, donc deux jeux complètement différents. Hein. Alors, je pense que je vous ferai peut-être une découverte XXL sur Sunhaven, sans certitude. Et nous, on va se faire du coup un petit let's play sur Breakwaters au moment où je recorde ce premier épisode. On est le 29 juin et il y a 20 voix pour. Il y a eu 30 votes, il y a eu 20 personnes qui ont choisi Breakwaters, 10 qui ont choisi Sunhaven. Donc je prends les devants et on va démarrer donc sur Sunhaven. On va faire une nouvelle game. Alors, ma seed, on garde Soma. Le personnage me plaît parfaitement. On va essayer de faire aussi quelque chose d'un peu mieux et du coup pour ce premier épisode d'un peu plus rapide logiquement vu qu'on connaît un peu le jeu et notamment utiliser la caisse qu'on nous fournit au départ que je n'ai pas du tout utilisé dans la découverte. Alors, voilà, ça m'est complètement zappé à côté. Et ce qui va permettre de pouvoir stocker nos premiers items quoi tout simplement. Donc j'ai pas besoin de passer le jeu en QWERTY, ça c'est cool. Et donc on est parti. Il y a toujours le titan. Alors les îles sont générées je crois de manière procédurale. Vous voyez hein, on est en bord de plage là avec le PNJ avec des arbres autour alors que c'était pas le cas la fois précédente. Donc voilà, on va pouvoir se servir de ceci. C'était quoi déjà pour shift pour transférer à part faire take all. J'ai perdu ma souris, tiens. C'est pas la première fois que ça fait ça. Je crois que ça me l'avait fait aussi la fois précédente. Et je peux. Ah voilà. Okay, c'est un petit clic. On peut pas cliquer, glisser, enfin cliquer, glisser, déposer. S'il faut cliquer une fois, ça sélectionne l'item et ensuite on va le placer là où on veut le placer. Ok. Alors il nous demande. Il nous a filé des torches et les fameuses anémones là. Un peu bizarre. Ah oui, c'est le rat qui me tape. J'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait le rat. Je pensais que c'était la poule sur le coup. J'étais pas du tout dans le bon truc. Voilà, on va prendre tout ça. Ok. Pomme. J'ai encore perdu mon. Comment ça se fait ça en fait? Que je perde ma souris. Je perds mon curseur de souris. Et là je peux rien faire. Ah si, voilà. Je vais faire ça. Je piche pas trop là. Les deux fois suivant ça me le fait. Alors, on a pris un petit level en standing. Du coup. Hop. On a gagné des HP max. De l'hydratation max, pardon. Et du coup, ça, il va me manquer un mollusque. Il faut que j'aille taper un crabe. Et après, il me faut de la Sea Grace que je n'ai pas encore. Alors, la Sea Grace, elle est ici. Échappe pour fermer ça. Alors, ça, je vais en prendre beaucoup. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, d'accord. Ça, c'était pas prévu en fait. C'était pas prévu du tout. Que j'ai des petits monstres comme ça juste à côté de moi. Alors, j'aimerais bien trouver un crabe du coup. Alors, on en a un là. Ça, il va m'en falloir aussi. Ah non mais sérieux. Oh là là. Bah ça démarre mal hein. Je vous le dis. Alors, il me faut ceci. Voilà. Waouh 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 waouh. Au secours. Alors ensuite je vais faire ça.
Voilà. Ok. Donc là, j'ai ma hache. Pouf. Alors, du coup, ma petite quête. La bench. C'est parti. Alors, on va manger ça pour se requinquer. Ok, très bien. Et qu'est-ce que j'ai ça? Qu'est-ce que c'est ça? Un rat mort. J'en ai trois. It's a dead rat, beware of one dead things. Si je le laisse sur le sol, ça risque d'attirer plus de rats. Bah, c'est pas grave. Je m'en fiche un peu. Alors lui, il veut que je fasse... Ah oui, ces fameuses anémones. En fait, quand je suis sur un dialogue et que je fais échappe, ça me fait disparaître ma souris, en fait. Mon curseur de souris. Je viens de me rendre compte de ça. Donc, ici, il va me falloir encore de la graisse et encore des branches. Ok. J'ai plus de place. Alors, est-ce que je peux pas déposer déjà des choses? Je vais déposer bah, ça. Ok. Et puis bah, pour l'instant, c'est tout. Alors, ne pas faire échappe. On va se soigner, hein. On a pris tarif. Et des anémones, j'en avais vu. J'en avais vu. Il me semble quelque part là. Ouais, elles sont là-bas. Ok. Donc je crois que j'ai la quantité qu'il faut. Ça a l'air bon. Alors, on va retourner là-bas. Je crois qu'il va falloir que je les cuise maintenant. Voilà, mission complétée. Alors, construire un fire pit et... Ah oui, alors il faut que je fasse ça d'abord. Il me faut 12... Ah non, il me l'a filé le fire pit. Ok, on va mettre ça là. Très bien. Et il faut que je me fasse de la place quand même. Ça, on peut le poser. Parce que les de mémoire, les... ça se stacke pas là. Le craft de... Alors, on va mettre ça là. Ça ici. Ok. Bon, ça j'aurai un peu de viande. On va aussi farmer, enfin cuire ça donc, du coup. Je suis pas sûr que je pourrais tout cuire. Il va falloir que je reforme du bois. Je pourrais même pas cuire le deuxième. Ok, alors du coup.
si je tape ça doit provoquer une bûche. Je peux pas en prendre plus. Ça marche. Alors, on va mettre tout ça là. Impeccable. Ah, ça y est, on peut les stacker maintenant. Ok. Alors, il faut savoir que depuis la vidéo découverte que je vous ai faite, il y a eu au moins une mise à jour. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu deux, mais il y en a eu au moins une. Donc, avec les premiers retours hein, de petits problèmes qu'il y a pu avoir sur le jeu. Et du coup, bah, c'est cool. On a, on peut stacker ces items parce que c'était vraiment gênant en fait au départ. Voilà. Et puis, bah, ça, je peux pas l'arrêter. Il n'y a pas de on-off hein, sur ça. Donc, on va aussi manger ça pour se régénérer. Voilà. Et pourquoi pas notre coco pour se remettre un petit peu de flotte. Alors du coup on peut parler au PNJ. Voilà. Ok. Ok, il va nous filer sa carte au trésor. Donc cette fois, c'est sur l'île qui est ici. D'accord, très bien. J'ai encore fait une bêtise. Non, c'est bon. Et on peut lui dire qu'on est prêt. Je suis prêt. Parfait. Il nous faudra une pelle. Alors, avant ça, il va vraiment falloir que je fasse... j'ai fait une bêtise, je crois. Voilà. Alors, le 4. Voilà, je me suis remis à fond. Alors, il me faut de ça. J'ai pas la place. On va acheter ça. Et on veut ceci. Ok, viens là. J'en ai 12, il m'en faut encore. Ok, je peux pas en prendre plus, mais je peux faire mon bench. Parfait. Je vais reprendre un max de ça. Voilà, j'en ai 18. Toi. Ok, je veux juste ta viande. Merci. Du coup, on retourne à notre campement de fortune. Alors, on se fera peut-être une petite base au milieu, là, parce que bah, on va pouvoir se faire une base après. Hein. Mais en attendant, je suis bien obligé de poser les choses dont j'ai besoin ici pour le moment. Alors là, j'aimerais bien me faire ceci. Et je peux déjà le faire. Ça, c'est cool. Pour augmenter mon inventaire. Ensuite, j'aimerais bien me faire... une vraie arme. Mais alors par contre, on avait vu la dernière fois que ceci, c'était une lance qu'on lance. Et pas une lance qu'on utilise au corps à corps. Ce qui m'embête un peu. Et sinon, on a l'arc. Mais l'arc, il faut... c'est des boat tar. Alors ça, je me rappelle plus comment on le récupère. Et après, il faut du bambou. Et pour faire des flèches, c'est pas simple non plus. Hein. Donc pour l'instant, au niveau des armes, on n'est pas très gâté, j'aurais tendance à dire. Shell spear. A spear made of a crab shell can be thrown. Elle peut être lancée, mais on n'est peut-être pas obligé de la lancer en fait. Je sais pas. Et il nous faut la pelle aussi. Alors la pelle, il va me falloir 15 grass et un coquillage à nouveau. Bon bah on va commencer avec la pelle.
Pourquoi j'ai pris autant de dégâts là? Ok. Nom de Zeus. Bon, au moins j'ai une Fire Flower. Ça là. Le truc m'a défoncé. Ça donne rien. Je vais faire un peu de bois aussi. Alors ce qui est cool, hein, pas de durabilité sur les items, ça c'est vraiment bien. La noix de coco, je sais pas pourquoi je peux pas la prendre. Ok, on va prendre ça. Voilà. Alors, on va mettre un peu de bois ici. Voilà, je vais en garder 7 sur moi. Je vais garder ça et mettre ça là. Parfait. Manger. Ok, là on est bon. Alors ensuite, il me faut des petites plantes là, de bord de mer. Il en faut encore plein. Voilà, de la Sea Grace. Ça va prendre 18, hein, le ma ou quoi que je vais tout prendre en fait. Parce qu'il m'en faudra encore pas mal. Et j'ai de la place dans mon inventaire surtout. Ok. Bon, ça devrait suffire. J'en ai 28. Il me semble qu'il y en avait une là, mais bon. Ah ouais, je peux pas taper en dessous de moi là. Bon, je vais retourner au camp. Pourquoi ça pète? Je comprends pas en fait. C'est très bizarre. Ça faisait pas ça avant. J'en avais déjà cassé dans ma vidéo découverte de ces trucs et... J'ai pas souvenir que ça a pété comme ça. Bon, c'est pas trop grave, hein, mais... On n'a pas pris non plus trop cher en termes de... Alors, on a des graines. J'ai de la des trucs de feu. Ok. Le corail, on va le laisser là. Bon, bah là, on est pas mal. Alors. Il me manque... Il me manque quoi? Ça c'est quoi ça? Un chapeau. D'accord. Il me manque la pelle. Ah oui. Un coquillage. Bah du coup, il faut que je trouve un crabe. Là. Il m'a rien donné. Oh, je suis stun. Je peux rien faire. Ah, ils sont vraiment trop forts. Eux. Ils sont vraiment trop forts. Ah, mais il y en a deux autres. Oh, au secours. J'ai plus de vie quoi, j'ai cané quoi. Et les crabes qui me donnent rien, c'est super sympa.
Alors j'ai eu des boulets de canon. Je suis super content. Ça va vachement me servir. Pour le moment. Ouais, mais il y a encore une espèce de rocher bizarre là. Ah non, mais il y en a partout. Alors, c'est ça qu'il me faut, je crois. Très bien. Donc là, je suis à l'endroit où je dois creuser, hein. Mais c'est surtout quand on sait ce qui va spawn au moment où je vais activer le truc. Ben, je suis mort en fait. Les rats, ils vont me dépouiller quoi. Les rats, les araignées. Rappelez-vous les araignées, toutes les araignées qui spawnent. Quand on active plus ou moins là, le truc qu'on creuse. Je vais tellement décéder. Je vais voir si on peut se faire un bandage. Le titan, il est au taquet, hein. Alors déjà, la pelle. Voilà, j'ai besoin de la pelle. Et pour le bandage, il me faut... C'est du corail bleu et de la kelp. Alors, le corail bleu, j'en ai trouvé. De la kelp, j'en ai pas trouvé. Et donc, il me manque la lance... Donc pour faire la lance, il me refaut à nouveau un coquillage, une noix de coco. Ok, donc une noix de coco. Et il faut que je trouve un coquillage. Et il faudrait que je me remette aussi un peu ma flotte et... Prendre le steak. Alors du coup, on va mettre ça là. Ok. J'ai eu autre chose là. Qu'est-ce que c'est que j'ai eu? J'ai eu du sable. Du sable. Pour faire du verre, d'accord. Ok, ok. Donc... je vais cuire mes 5 steaks. Alors pour faire ça, ben je vais me régénérer avec la viande. Hein. Alors c'est pas très pratique pour basculer d'un truc à un autre, on est obligé de faire clic gauche, prendre l'objet, l'amener là, refaire clic gauche. Quand il est cuit, il rebolote mais dans l'autre sens. Faut pas stacker les quantités là. Et sur le feu de camp basique, on peut mettre qu'un. Ben qu'une chose à cuire. Du coup c'est un peu long. Aller. Ok. Donc du coup voilà, je suis midlife. J'ai la faim à fond, mais pas la soif. On va aller sur l'île là-bas en face. Il me faut du crabe. Il me faut des ressources. C'est quoi que je tape là? Je ne sais pas. Plutôt bizarre. Alors. Ok. On va en taper un autre si on peut. Ah, le titan, il est badass, hein.
Le titan, il est badass. Hein. Ok. Allez, j'en ai eu 3 de coquillages. On retourne au campement, on va se faire la lance et on va voir, peut-être que je l'avais mal utilisé la première fois. Je vais voir. C'est vrai qu'on peut aussi, je crois, de... Voilà, laissez-moi tranquille là, les moches. Vous voulez pas me lâcher 5 minutes ? Alors, la lance, voilà. On va la mettre ici. Ça, on va le mettre là. Ça, ici. On va faire de la place. Hein. Les boulets de canon, j'en ai pas besoin maintenant. Alors, la lance. Est-ce qu'on est obligé de la lancer? Bah oui, carrément, en fait. Hein. Ah, c'est nul. C'est complètement nul, ouais. C'est... Ça sert à rien. Ah, puis alors, pour viser avec... Hein, accroche-toi, hein. Hein? Et où est-ce qu'elle est partie? Ah mais elle est plantée dans le mob là. D'accord, super. Bon, bah au moins je l'ai tué, mais bon, je prends tellement cher. Alors si j'arrivais à trouver la fameuse plante pour me faire des bandages, ce serait parfait. Mais je vois pas trop laquelle c'est pour l'instant. Ça c'est de la Sea Grace. C'est un autre type de plante, je vois pas trop. Bon, bah on va faire notre quête. Hein. Allez, donc il faut aller là-bas. On va se battre à la hache. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a que ça pour le moment, donc on n'a pas vraiment le choix en fait. Hein. Alors le titan, il est là. Bon, il est quand même assez loin de nous. Ça va. Et je vais aussi me remettre un peu d'aplomb. Avec des baies. Voyons voir. Hop. Voilà, je vais en manger d'autres. Oh. Oh. Bon bah, je me fais attaquer par le crabinou. En plus, j'arrive pas à frapper correctement. C'est très chiant. Quand on n'est pas tourné du bon côté, on n'arrive pas à grand chose en fait. C'est un rat qui est en train de me mettre la misère quand même. Bon, bah tout va bien. On n'est presque pas dans la mouise. Alors, exploration, on a passé un level. Du coup, ici, le... Parfait. Je prends ma pelle. Alors, je vais récupérer ça et ça. J'arrive pas à remonter. Regardez-moi tout ce qui a spawn. Mais je suis mort, hein. Je suis clairement mort. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Alors, on va équiper ça.
Et c'est parti pour la bagarre. Ah! Ok. Voilà. Je suis tellement mort. Donc normalement on respawn avec tous nos items autour de nous. Mes souvenirs. Voilà. On a intérêt à vite se rééquiper d'une arme. Parce que normalement elles vont arriver de par là, les araignées. Ouais. Le titan lui il est là. Ah ouais, allez se battre. Hein. On n'est pas là pour niaiser. Bon, l'avantage, c'est que je suis full vie, full faim, full soif. J'ai un peu la totale. Alors, j'en avais mis un petit peu dans le mal au niveau des araignées, mais bon. Il y en a tellement beaucoup. Là, on va essayer de taper celle-là. Voilà. Impeccable. Ah, il y a un rat qui me tape par derrière. Allez, mode point activé. Hein. Voilà. Eh ben écoutez, c'est passé. On va récupérer tout ce qu'on a, ce qu'on peut. C'est-à-dire pas grand-chose. Alors, je suis full de ça. L'orage, je m'en fiche. Je vais essayer de prendre les baies, les noix de coco. Voilà. Ça c'est bon. Hop hop hop. Ah, je suis coincé. Merci le rat. Parfait, les baies. Alors c'est vrai qu'il y avait la première fois dans la vidéo découverte, il y a eu plein d'araignées qui avaient spawn, mais il y avait eu aussi des rats. Ah. Oula. Je crois qu'elle est buggée l'araignée, non? Alors ça c'est pareil, les bouteilles, je sais pas encore trop comment m'en servir. Bah, du coup je vais reparler au PNJ. Il n'y avait pas une caisse là? Ouais, il y a une caisse ici. Avec des boulets de canon. Que je ne peux pas récupérer pour le moment. Alors, ici on est deux bien avancés. Même si je mets mal, tant pis. Ah oui, mais là il va nous mettre très mal. Ah bah je suis mort. En fait, faudrait que je fasse ça, que je le kite. En fait, j'ai trouvé la technique, sans le vouloir, pour les tuer. Un peu tard, mais je l'ai trouvé. Ah, il y a encore une araignée. Alors, c'est bizarre, elle vient pas.
Dans l'eau, elle avance pas très vite, hein. Je suis tellement mort. Tellement. C'est pas grave. La mort est pas si punitive que ça. Enfin, en tout cas, pas pour le moment. Donc, bah, les loulous, du coup, je vais voir un peu ce que je dois faire maintenant. Mission complétée. Ok. Oui, mais ça, c'est bon. Alors maintenant, il est temps d'aller trouver le trésor. Ça, je l'ai fait, ça, non? Mais je l'ai fait, ça. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il y a un truc qui cloche. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Ça là, on va mettre ça ici. Les branches là, là, tout ça là, là, les bûches. Du coup, voilà, il nous avait filé ça. Donc, ça c'est fait. Oui, j'ai trouvé le truc de titan. Donc on a la relique. Alors il y a des structures appelées les ruines, les portes des ruines du Titan à trouver quelque part sur l'île. Active ces ruines. Ce qui bloquera les chemins des, pour, du Titan pour s'échapper. Je comprends pas trop, mais... Ok. Bon, on va lui reparler, hein. Alors, pour sortir de l'île, tu dois utiliser un bateau. Mais tu n'as pas le bateau. Tu dois Ah oui, on va là. J'en étais là dans la vidéo découverte. Donc on aura refait en un peu moins de temps ce qu'on avait fait en une heure. Voilà, il faut que j'appelle le trader. Ok. Ça marche. Donc là, en fait... J'ai appris le Boat Flare dans mes crafts de base. Craft de base, voilà. Il faut que je crafte ceci, les loulous. Donc, il me faut 2 corails de feu et 2 cristals jaunes. 2 corails de feu et 2 cristals jaunes. Donc, il va falloir trouver ces ressources. Et est-ce que je peux me refaire une caisse? Parce que là, en termes de slot d'inventaire, c'est pas génial, génial. Une crate, il me faut 8 et 16. Alors, là, j'en ai que 4. 8. Ouais, il faut juste que je refasse des petites plantes. Ah, il y a des petits problèmes de collision hein, dans le jeu aussi avec les choses. Des fois, on se retrouve vraiment coincé. Alors, j'en ai combien là? J'en ai 18. Alors, c'est marrant parce que les slots ici, on peut stacker à 18. Mais ici, on peut stacker qu'à 15. Ça, c'est assez bizarre, vous voyez. Je peux pas... par contre, si je fais ça... Ouais, je peux stocker à 18. Bon. Petit souci technique, on va dire ça comme ça. Alors, crate. On va te mettre là. Et du coup, je vais mettre la relique ici, je vais mettre ça là, les torches. La lance qui me sert à rien. La pelle, je vais la garder. La map, j'en ai plus besoin. Ok.
Je commence à me demander si je vais pas me suicider aussi parce que. Franchement, je vois pas trop l'intérêt de continuer à. À me trimballer avec 0 PV là sur moi. Alors à moins que je me régène avec les steaks. Ouais, à la rigueur, je peux faire ça. Aussi dommage qu'on puisse. Ah si on le. Non, j'ai rien dit. Le petit chapeau là, je pensais qu'on le voyait pas, mais si en fait, j'ai juste pas fait attention sur mon perso. C'est plutôt rigolo, on s'est fait un truc en feuillage qui nous donne un de shade, je sais pas ce que c'est. Ah, ça réduit la déshydratation de 50%. Ah ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Voilà, on aura mangé tout ça. Ok, on est à fond. On est à fond. Bah du coup, en termes de tenue, ça par exemple, il me faut 12 os. Alors j'ai pas du tout d'os. C'est dommage. On aurait donné un d'armure. Les chaussures sont pas débloquées. Les bandages, je sais toujours pas les faire. Il me faut de la kelp. La kelp, je sais pas encore non plus ce que c'est. Donc opération, trouver des cristaux jaunes. C'est ça, hein. Et du corail de feu. Et bien c'est parti. On va chercher. Alors cristaux jaunes, est-ce que ce serait pas ces pierres? Je ne sais plus. C'est ça. Ok. Emporté par l'eau. Donc j'ai les deux cristaux jaunes. Il me manque les corail de feu. Alors où est-ce que je vais pouvoir aller chercher ça? Alors sur le jeu, faudrait que je voie si on a quand même moyen de plonger à un moment donné ou pas. De là, regardez, il y a des. Je sais pas si c'est du corail rouge, mais. Il y a quand même quelque chose, mais je sais pas si on peut aller sous l'eau en fait. Ma question c'est ça, est-ce qu'on peut aller sous l'eau? J'ai pas l'impression, enfin je fais C. Qu'est-ce que je pourrais essayer que j'ai pas essayé? W, X. Moi je vois pas trop. Ça, il me semblait qu'on pouvait le casser, hein, mais j'y arrive pas non plus. Bon, en tout cas, j'y arrive plus. Ah, si, voilà. Et ça, c'est. Ah, ça peut être mangé cru. D'accord. C'est des. Bah, c'est des moules en fait, hein. Je pense, ou un truc équivalent à des moules. Et ben voilà du fire coral. Donc c'était bien ça. Et je peux faire mon flair impeccable. Ah bah nickel. J'aurais pas tant galéré que ça. Donc c'était bien les plantes que je pensais. Bah il y en avait plein là en fait. Alors, du coup, on retourne au campement.
Et bah je sais pas, est-ce qu'il faut que je lui parle? Oui. Donc maintenant, merci pour ton aide, je vais continuer mes recherches sur l'île. J'espère que nos chemins se recroiseront à nouveau. D'ici là, bonne chance dans tes aventures pour trouver les ruines du Titan, les portes des ruines du Titan. Et ok. Donc c'est tout, avec lui j'ai terminé. D'accord, et donc du coup, ça. Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse de ça? Must be building water. Pas assez de profondeur. Ah. Alors attendez, faudra que j'aille en pleine mer. On va aller voir ça. Plus par là, du coup. Par contre, le titan, quand même, chaud, quoi. Alors là, j'ai pas assez de profondeur. J'ai eu 13 à un moment donné. Ça me fait tellement peur. Donc j'ai envoyé la... Waouh, ok. Le trader. Alors, il peut nous vendre des choses, il peut aussi nous emmener sur une autre île pour un prix correct. Mais on ne choisit pas où on va. C'est mon choix. Je suis le capitaine du vaisseau. Alors, qu'est-ce qu'il nous vend lui? Il nous vend ça. Il faut de l'argent. Alors, je ne sais pas comment on fait de l'argent sur le jeu. Ça vaut rien, ça vaut 3. D'accord, donc on peut faire de l'argent comme ça. Là, je peux m'acheter un pan. Oh, je suis mort. Ah, j'ai pas compris. Ok, j'ai pas tout compris. Par contre, je pense que j'ai perdu des items. Hein. Alors, j'ai ma hache, j'ai ma pelle. Ma carte, je sais pas trop. Pourquoi je suis mort? J'ai pas compris. On perd de la vie quand on est dans l'eau? Je sais pas du tout. Hein. J'ai pas fait gaffe. C'est assez bizarre. Je voudrais juste aller lui reparler pour voir. Oui, bon là, je me fais taper par un crabe, ok, mais... Ah, mais il est parti! C'est sérieux? Alors, il faut que je me rappelle aussi comment on sauvegarde. Voilà, petite sauvegarde. Ça marche. Échappe, on save. Bon bah du coup les loups on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là j'ai perdu le bateau, il va falloir que je refasse un flair pour le rappeler. Mais là je peux pas, j'ai pas les compos sur moi, donc on verra ça au prochain épisode. Par contre j'ai l'eau qui monte jusqu'ici maintenant. Je sais pas quel impact ça peut avoir sur une future base, mais bon. On verra bien. Est-ce que je les tue? Ils sont vraiment collés là, les deux. Ouais, je pense que je vais les tuer pour être tranquille.
Ah bah ça, c'était pas prévu ça par contre. Chiant leur stun là. Faudrait que je saute au moment où ils font ça. Par contre, oh, un Blue Shards. C'est la première fois que j'en ai un. Ok. Et ils m'ont mis tarif, une fois de plus. Bon, les loulous, on va se laisser là-dessus pour ce premier épisode sur Breakwaters. J'espère que ça vous aura plu. Le jeu a l'air plutôt sympa, hein, mine de rien, quand même. Et puis, on essaiera d'avancer dans le deuxième épisode, notamment dans les crafts et la découverte de nouvelles ressources. Et essayer d'aller là où j'ai l'indication sur ma boussole, hein, sur ma minimap, pour trouver les fameuses portes de ruines là, du titan. On verra tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.